Mesdames, Messieurs, à présent, nous accueillons Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Yaké Mama Antoinette Sassou Nguesso, Keto Yafumu Yaloyalo Denis Sassou Nguesso, Muntu Mekukumina Beto, Awa Imen. Yaké Vemfumu Yaloyalo, Kasi Betekulandama, Naïla Ke Wanda Manaka, Ya Munkembo, Yai, Ya Bamfula, Makumitanu, Nanana, Ya Mbakudu Ekipwanza, Ya Isi, Ya Congo. Mama Antoinette Sassou Nguesso, Mutindu Mama Yakirika, Yandipe Kupakaka Kisika, Nambatukulu ya Nyoso, Yamikembo, Baba Vebe Kutalaka Yandi Naina Wandiki Semi Marathon ya Brazzaville, Sika Yandipe, Pesaka, Manzanza, Pebidibu, Yafunu, Nabaina, Nungaka, Munkembo Yai. Yazola Tubati, Diambu ya Kimpwanza ya Congo, Mekutala Bakongole Nyoso, Aurélien Bayard. Yasolo Benaziz, Kambo Leli Panda, Lia Ikolo Congo, Lizali Kambo Lia Bakongole Banso, Oelisiango, Mozali Komana Nabilili Bokomi, Mwa Mulonga ni Watata Mokonzi Okolo Congo, Mama Antoinette Sassou Nguesso, Yepe lokola ayekozwa esika na mululu moye. Antoinette Sassou Nguesso, muluka na watata mokonzi ekolo, azali pe mokonzi ya lingomba linene, totangi Fondation Congo Assistance. Pe ezali lingomba, lizali kosalisaka bato bayike, bilembo bya lingomba liyango, lizali kotalema bisika na bisika, likoloba ete ndenge baloba kala lopoto sima ya moto monene ezalaka pe na mwasi ya monene. Moso malengani lokola kumolongani wa kumwa ekolo akomi elingi koloba ete bangonga etikanisi ya kotanga po ete tata mokonzi ekolo Congo akomela biso awa po ete tokumisa elongo lipanda ya ekolo na biso. Ekolo Congo ezali ekolo eye lelo ekokisi mibu tuku mitano na mwambe uta ekula lipanda pe na oyo etali nkita misala minike misalo mi kobanda na botongami bwa nzela ya enguduka kobanda Brazzaville kino Pointe Noire misala kani ibandaka na mubu koto yoko na kama libwa na tuku mbali na moko pe misukaka na mubu koto yoko na kama libwa na tuku misato na mine pe za ezalaki mosala monene bato bayike bazwali wa oka kati o eleko ena mpona kosala misala mielelo lizali kopesa esengo na bakongole bonso pamba te lelo Pointe Noire pe Brazzaville esanganaki na nzela ena mpona kosala ete biloko bikowuta na Brazzaville bikoma na bolembu na libongo ya Pointe Noire ya mboyo likembe na bikolo bisusu bikolo noko lokola kautu biloko lokola coton biloko lokola kafe kakao kaokao nzete pe biloko ndenge na ndenge bizalaki koleka na nzela wana nde na mobu koko yoko na kama libona tuku mibale na moko tokotanga oganyor ye nde moto apesaki nzela ya kosala misala na yango nde mokolo mwa 23 février ya sanza ya sambo mobu koko yoko na kama libwana tuku mibale na mibale sanza zomi na mwambe sima ya misala na yango ya bikolo bya Afrika équatoriale française nde ye motaki kosila mobembano mwa bokeli kompani ya Batidol SCB na bokuse nzela engunduka Pointe Noire Brazzaville ezalaki na bolai bwa kilometre kama moko na tuku sambo na mibale tozali kotalaka na bilili mokambi basolda mokambi basolda tobenga lopoto chef d'état major général ye nde amati na kati ya motuka mwa ye molokumu na kati se ezali mpona kokendeoya matata mokonzi ekolo ezali bongo te mbe na zisa
Awa na mwada miniti fioti na boulevard Alfred Raoul. Ya kukanga ni na tinkembolo ya ike na kusalama ya kile ya bamvula makumi tanu na nana. Na ntangu ya ntama mkembo ya ntete kusalamaka na mtuala ya meri ya bubu ya Brazzaville sika kaya kukui kama na ntangu betu kena kutuba yai station ya X Hall mbe inzo ya ntete tungamaka na manima ya mbakunu ya kipwanza ya Kongo kilevana ni meri ya Brazzaville na ntangu na ntama ya vandika ka inzo ya Fioti kasi labe Filbert Yulu yai vandiki mfumo yalu ya ntete ya isi ya Kongo kutoka dikani ya kutunga inzo ya ntete kina bankula pe kutalisa kipwanza ya Kongo kwenye sasunge sonfu mialu ya Kongo ke na kukuma na boulevard Alfred Raoul bonso bizizi ya television congolaise kina kutalisa beno yao mutubaka na beno ti ditumi yai ya commandant ya commandement yai ke ya kubakama na kati mfumo le nkunku ya basoda general de division Guy Blanchard Okol ke na kukuba masamu na kubwaba na mfumo ya luyalu ni hina ke na kusalama pe na ntango betu na kutuba bakongole fana kukanga ti mfumo ya luyalu meku kumina beto imeni awa na boulevard Alfred Raoul nyoso samu na kupesa nzila ya mbato kulu ya mkembo ya mujiatuto ya defile yai ya 15 août ke na kusalama bonso kilumbu beto kuzwaka kimpwanza na mwini ya Fioti mtangu ya mbote mpeba kongole mekupriza awa mingi samu na kulanda mkembo yai yai ni mkembo ya mbalazole kila kusalama mingi na ntangu kimvwa mbalazole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement allez passer en revue, général de division Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Thank you.
c'est ça le bonheur. En l'honneur de M. le Président de la République, vous savez que c'est une tradition qui est là depuis des années. Et chaque fois qu'il y a des grands événements, notamment quand on reçoit les présidents des pays étrangers et quand il y a des grandes cérémonies comme la célébration des commerces nationales, effectivement, ça, c'est un coup de canon. Ça veut dire beaucoup. Brazzaville est une zone autonome avec un commandant de zone. Pourquoi c'est le chef d'état-major général des forces armées congolaises qui accueille le chef de l'État? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, l'activité n'est pas au niveau de la zone. L'activité est au niveau de la nation. Au niveau de la nation, toutes les nations de la République sont ici à Brazzaville. Voilà pourquoi vous voyez que c'est le commandant de zone qui a rendu compte, qui a rendu des honneurs au chef d'état-major général, et le chef d'état-major a rendu des honneurs au président de la République. Alors nous sommes passés, nous sommes dans la zone où les élections sont implantées. Voilà pourquoi il y a cette différence. L'événement est à portée nationale. Au niveau du défilé civil, on a noté quelques innovations. En est-il de même du côté du défilé militaire également? Bon, concernant les innovations pour cette année, sur la fonction du chef d'état-major général de Fondation Congolaise, il a été question qu'au niveau des carrés, que ce soit les chefs de corps, ou leurs adjoints, seulement qu'ils soient à la tête. Parce que généralement, dans le temps, on assistait parfois, on pouvait avoir un élément, mais qui n'est pas parmi les officiers supérieurs. Cette fois-ci, devant tous les carrés, les officiers supérieurs défilent. Je sais pour montrer un peu l'attachement effectivement de ce chef de corps à leurs unités. C'est vraiment une innovation. Nous assistons donc présentement au passage de la rue de Turpe par le président de la République, chef suprême de l'armée. Et en effet, comme vous le savez, selon la constitution d'octobre 2015, le président de la République est le chef suprême de l'armée. Au passage du président de la République, les étendards des armées et forces ainsi que les fanions des unités s'inclinent devant lui en signe de salut. Les troupes lancent le cri de ralliement pour la patrie. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Parce qu'ils expriment ainsi leur disponibilité à œuvrer sous le rôle du chef suprême de l'armée et à se sacrifier pour la mère patrie, le Congo. Nous allons donc demander au commandant Essongo de nous dire les instructions que le président de la République a données pour cette année 2018 à la force publique. Merci, mon colonel. Lors du traditionnel réveillon d'Arbon, le 31 décembre 2017, lors de son adresse à la force publique, le président de la République, en sa qualité de chef suprême des armées, a donné plusieurs orientations à la force publique, entre autres. Nous pouvons citer le renforcement des capacités d'organisation et de discipline. Il a également demandé à la force publique de maintenir une relation étroite avec le peuple, c'est-à-dire renforcer le lien armée et nation qui existe depuis longtemps entre la force publique et le peuple congolais. Il avait également demandé à la force publique de veiller au respect des engagements intérieurs et extérieurs, car il faut signaler que la force publique assure souvent des missions tant au niveau national qu'au niveau international. Au niveau international, nous pouvons citer le maintien de la paix en République centrafricaine. Et parmi les autres orientations, il a demandé à la force publique de poursuivre des efforts en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Donc c'est pour ça que le défilé de cette année